bien placé. D'ailleurs, je vous propose maintenant de revoir ce qu'a réalisé Chloé Maigre cet après-midi au sol féminin. La petite élève de l'US Créteil, de Méry Saint-Génier, a tout de même été plus performante à la poutre et aux barres asymétriques. Au sol, elle a commis une petite faute à la fin de son exercice, mais sa présence au plus haut niveau de la compétition démontre que les gymnastes françaises qualifiées pour les Jeux Olympiques de Barcelone sont en hausse et qu'elles auront leur mot à dire dans 2 mois à Barcelone.